Yep les gens, c'est Verxius et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Donc j'espère que vous allez bien et cette vidéo est assez spéciale. Donc comme vous avez vu sûrement dans le titre, donc ça va être le concassage de 100 objets THL. Donc tous PA ou PM, donc vous voyez des amulettes, donc il y en a une tonne. Des anneaux, bon là il y en a qu'un par contre. Des bottes, donc là aussi beaucoup de bottes. Des capes, donc là il y en a pris que 3, 4 haches et une pelle. Donc franchement, je pense on va vraiment bénéf une centaine de runes GPA et une centaine de runes GPM. Donc on est sur la bêta test. Hein. Donc merci à ceux qui m'ont fait des dons. Donc j'ai encore 8M. J'ai un objectif d'atteindre les 70M pour faire un énorme stuff que je vous présenterai bientôt. Donc je pense aujourd'hui je peux arriver dans les 40M, 50M, même avec les runes GPA que je vais vendre. Donc on va directement concasser et. Et on va voir de suite tout ce qu'on va obtenir. Donc il y a une moyenne de 160 millions de Kama. Donc il va vraiment avoir beaucoup de runes je pense. Donc on va faire je pense... Ouais non il n'y a pas de tranche de level. On peut pas mettre par tranche de level donc c'est pas grave. Donc je pense comme ça va être un peu le seul but de la vidéo. On va faire une sorte par une sorte d'équipement. Donc là déjà 3 runes GPM, donc pas mal concassé ces bots. Donc j'espère obtenir une centaine. Donc les strigides, donc je pense aussi pas mal concassé. Ouais 5%, une seule rune, on a eu de la chance. Donc je pense vraiment, on va voir ce qu'on va bénéf. 2 runes GPM encore. Donc je veux vraiment obtenir la centaine de runes GPA ou PM. 2 runes GPM, donc vous voyez les objets THL très concassés. 5 runes GPM, les sandales binos. Donc je pense après j'irai en recherche H2V pour en refaire. Donc des bottines RT, donc 4 runes GPM. Donc vous voyez les objets les moins connus se rapportent le plus. Donc les capes du professeur Xa, donc ça je pense elles vont rapporter. Même pas, ça m'étonne. Donc l'anneau, on va mettre avec la pelle. Ouh, pas mal. On a eu de la chance. 2 runes GPA et PM alors qu'il n'y a que 40% de coefficient. Donc les H aussi, je pense, ne va pas avoir un gros coefficient. Voilà. Les Glours. Donc j'espère franchement que cet opus vous plaira. Donc je peux vous dire, jamais je ferai ça sur officiel. Hein. Puisque là, sur officiel, il y en aurait pour 200 millions de Kama. Il n'y a vraiment pas beaucoup de runes GPA et PM. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de coefficients. J'aimerais bien tomber sur un... Ah, voilà, 6 runes GPA, ça c'est pas mal. Donc là, 2 colliers du Minoto, absolument rien, un talisman chaud, une rune, une amulette du Glour Céleste, une rune PO. Ah, là, je suis un peu dégoûté, que 9%. Alors, Obsidiantre. Ah, 2 runes seulement. Ah, on a vraiment pas de chance là, les gens. Donc plus l'item est HL, plus on est censé obtenir 2 runes. 2 runes. Donc on va mettre la numite avec. Une rune. Allez, je compte aux amulettes de d'Anator. Donc je pense pas que là non plus il va avoir beaucoup de coef. Ouais, 4% de coef, c'est vraiment bas. J'espère vraiment qu'on va tomber sur du 100 de coef sur certaines amulettes. J'ai pas regardé, donc excusez-moi. Donc là on est déjà à 19 runes. La Glore Céleste, donc qui a 4%. À 8% maintenant. Les deux séculaires. Donc là je pense qu'il va avoir quand même du bon coef. Même pas, même pas. Ça m'étonne vraiment qu'il y ait un si bas coef. Donc franchement hein, c'est du fun hein, les gens. On casse tout pour la vidéo. On est sur le serveur bêta test hein, je vous rappelle. Allez. Très peu de runes. Malheureusement, une rune GPA, un talisman chaud encore, une rune GPA, 2 héroclides. Donc là, je crois qu'il y a 4%. J'ai pas regardé, excusez-moi, j'ai fait trop vite. Donc là, pas de pourcentage. 2 amulettes Endar, une rune GPA, 2 amulettes d'Automaï, une rune GPA, toujours. Pas beaucoup de chance, toujours, hein, les gens. 2 runes GPA.
Et la Grande Duc qui a pas beaucoup non plus. Voilà. Donc malheureusement, on n'a pas beaucoup gagné. Vous voyez, donc quand même 18 000 potes de runes presque. 26 runes KPA. Donc il y a une estimation de 52 millions. Je vous rassure, je ne crois pas du tout que ça fait 52 millions. Quand même 25 runes KPM. Donc on va voir les HDV. Combien ça coûte? Donc vous voyez bien que j'ai rien. Donc je vais tout mettre en HDV. Et dès que... Et je remettrai la vidéo une fois que j'aurai tout mis. Donc je mettrai tout en un camion moins cher. Donc allez, à toutes les gens. Donc re les gens. Donc vous voyez là j'ai mis toutes les runes HDV. Il y en a pour 50 millions de Kama. Et donc finalement je me suis trompé. Il y a vraiment un max de bénéf. Et comme vous voyez je viens d'à peine de tout mettre. Il y a déjà pas mal de choses qui se vendent. Donc déjà 5 runes KPM. 4 runes rappuis par 10. Donc ça se revend très bien, donc autant dire que franchement, là, demain, je vais avoir pas mal de pognon en banque. Et je vais vite atteindre les 70e, je pense, en mendiant DM par DM, etc. Je suis un peu full pod, donc je vais essayer de compléter mes pods. Donc ça sera à peu près tout pour cette vidéo. Donc franchement, les gens, s'il vous plaît, laissez un like, abonnez-vous et allez, ciao, ciao les gens.